inutile d'essayer de comprendre. C'est comme ça. Personne n'est accusé, tout le monde est coupable. Moi aussi. Je me dégoûte d'avoir changé aussi vite. En bien ou en mal, je ne sais pas, mais j'ai l'impression de m'être trahi et de vous avoir trahi. Surtout, pardon à Chloé, la fille que j'aime. Je lui ai tout volé, son sourire, ses baisers, la chaleur de son sexe avant qu'elle ne m'ait aimé pour de vrai. J'aurais dû attendre que ses sentiments soient aussi forts que les miens, plutôt que de la précipiter si brutalement dans cette histoire d'amour. C'est dégueulasse d'être exigeant avec les autres quand on manque à ce point de volonté. Plein d'autres choses font que je me dégoûte. J'avais encore beaucoup d'amis et de projets. En perdant la vie, je garde tout ça. À ma sœur, je ne te demandais pas de m'aimer entièrement. Tu ne pouvais pas. Je voulais juste que tu m'aimes comme une sœur peut aimer son frère. Attends, donne-moi la main. Suis-moi. Tu vois, c'était pas compliqué. Eh bien, c'est comme ça que j'aurais voulu que tu m'aimes. Ça va? Pas trop. J'ai un barbecue demain soir, c'est sympa l'été. Et comme ça on pourra tous ensemble penser à Fred. Puis se foutre le cafard chacun dans notre coin. Tu diras aux autres? Ouais. Ce serait sympa si quelqu'un pouvait venir m'aider. Va avec les autres, je vais m'en occuper. D'accord. Non. C'était combien de temps que t'es après? Un quart d'heure. Un quart d'heure? Ouais. Marrant. Là, t'aurais dû renouveler ton abonnement que ça. J'ai une main, sérieusement. Calme, toi. Attends, je viens d'avoir une idée. Tu vas y arriver. Oh, du mec là, et qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'as vu, ça fume déjà. Ah, mais pas de soucis. Et ben voilà. Écartez-vous. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? À la peur. Pourquoi tu balances de l'eau? Mais non, c'est de l'essence. Ah, c'est de l'essence. Mais eh ben non, que je vais. Enfin, on va manger les saucisses avec calmé et avec de l'essence. Hein. Ça va être super bon. Hein. Moi, tu sais, on devait partir avec ton frère, mais avec. Je devais partir avec lui, en fait. On devait aller à New York. Tu sais, ça fait longtemps, c'est qu'on avait 15 ans, enfin. On avait tout prévu, hein. Ça marchait, hein. On a travaillé tout l'été pour ça. Vous avez fait quoi, là-bas? Mais t'as plein de trucs à faire, là-bas. Tu t'en vas pas ici, toi? Ouais. Non, je vis ma vie. Je m'occupe pas du reste. Ben, nous, on aurait vécu notre vie. Ouais. De toute façon, j'ai toujours... Franchement... Ouais, je vous le dis, hein, mais moi j'ai toujours pensé que c'est parce qu'il habitait ici qu'il s'est foutu en l'air. Hein. Y a pas de mystère. Non, c'est vraiment pas gay ici. Je préfère partir. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu sais bien. Je sais bien, bah dis-moi ce que j'ai fait. Mais t'as parlé de Fred. T'as parlé de Fred? Ouais, j'ai parlé de Fred. Et puis... Ah ouais, ben, si ça lui fait mal. Sa petite copine, moi c'était mon meilleur copain, je vois pas la différence. Si, la différence, c'est les gens, quoi. Ils ne prennent pas tous la même chose, de la même façon. Ça te dérange, toi? Non, non. Non, mais c'est pas pareil. Mais pourquoi c'est pas pareil? Mais il était pas proche de lui. Just can't convince myself.
C'est doux, on croira pas quand on la regarde juste. C'est comme la peau de quelqu'un. Au début, on n'y fait pas attention. Puis c'est après avoir effleuré sa joue, on commence à la voir. Quand je serai majeur, la première chose que je ferai, c'est ça. Avoir ma baraque, vivre tout seul comme toi. Faire des super fêtes tout le temps. T'es fou, cette maison est même pas à moi, elle est à mes parents. C'est quand ils ont fini de me payer. Ils sont partis, ils vont bientôt rentrer. Au bal, quand j'étais par terre, j'étais tellement mal que j'entendais plus rien. T'es venu, puis petit à petit, j'ai entendu la musique. La seule chose qui manquait, c'était un baiser. Arrête, t'as rien compris. T'as raison, je comprends rien. Si t'es venu vers moi, c'est bien que je te plaisais. J'ai pas changé depuis tout à l'heure. Et maintenant, tu veux plus? Ouais, attends, non, j'ai pigé ton plan. Tu veux faire croire à toi et à moi que c'est moi qui t'allume histoire de te déculpabiliser? C'est maligne, toi. Mais toi, t'es sous, tu racontes n'importe quoi. Ok, je vais être loyal. Je vais allumer la télé. Si je tombe sur des chansons ou quelque chose comme ça, c'est toi qui m'embrasses. Sinon, j'ai perdu et c'est moi qui... Non. Non, je plaisante. J'ai perdu mon pari. Sans aucun doute. Bah, c'est à toi de m'embrasser, alors. Plein de ta famille d'accueil et tes amis, tu peux les choisir. Et les gens qui étaient avec toi tout à l'heure, si c'est un choix, je comprends pas. Ils ont rien que des emmerdes. Là, ils voulaient juste s'amuser. J'aurais pu mourir, t'imagines le tort que ça leur aurait causé? De toute façon, j'aurais fait la même chose qu'eux. Je me serais cassé. Regarde, une toile filante. Je viens de penser à un vœu. Il parle d'amour absolu. C'est vrai. On s'aime jamais assez entre père et fille ou entre frère et soeur. C'est quand tout est fini qu'on s'en rend compte. Mais la faire marche arrière, c'est pas possible. Alors on rumine, on rabâche, on se force à oublier. On peut pas. On fait semblant. Mais un beau jour, t'as la grue qui remonte à la surface. Il flotte au-dessus de tes pensées comme des cadavres de noyés. C'est trop de vieux ce que tu racontes. T'as toute la vie toi là. C'est pas les autres. Je ne réalise jamais, Léon. C'est juste fait pour garder l'espoir.
savoir si t'es malade, agonisante ou je sais pas moi. Non, ça va, je tiens debout. Il y a mon cousin qui est arrivé hier à l'improviste. Ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu. Je vais chercher ? Ouais. Je me présente ? Ouais. Au fait, il était très marqué par la mort de Fred et en plus il ressemble beaucoup. Faut pas lui en parler. Anthony ? Voilà, Anthony. Je te présente Antoine, Chloé, Jérôme. C'est moi qui vous rends perplexe. Tu as de la chance d'habiter ici. Maintenant, on n'a pas peur de se réveiller. Pourquoi tu viens d'où ? Je suis d'un coin pourri, une sorte de cité dortoir. Je peux même pas bouger comme je voudrais. J'ai l'impression d'être dans une prison de béton. Puis t'as beau donner des coups dans les murs, ça change rien. Puis t'assommes plutôt. Alors je supporte, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire. Puis je me dis que ça fera une belle légende pour plus tard. Pourquoi tu veux faire quoi ? Du cinéma. Ouais. Vous voulez rester déjeuner ? Je sais pas, tu demandes à Jérôme, hein. C'est lui qui a la voiture. Ouais. Hein. Bon, permettant, vous pouvez aller bosser. Bon, bah tant pis. Viens. Ouais. De toute façon, sûrement à plus tard. Ok. Ouais. Salut. T'as vu, il a exactement le même sourire, les mêmes attitudes que Fred. Regarde, j'ai une photo dans mon portefeuille. Non, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dû perdre chez lui. Faut que je retrouve avant qu'elle tombe dessus, sinon... Pourquoi tu leur as dit que j'étais ton cousin ? Maman va être obligée de se planquer. C'est à cause de Jérôme, mon ex. La dernière fois que j'ai présenté mon nouveau petit ami, il a essayé de se foutre en l'air, alors c'est pour ça. Et si Antoine te pose des questions, tu te bornes à lui dire que t'es mon cousin parce que lui il est bien gentil mais avec toujours tout le monde. Antoine ! Ça va ? Salut. Demander de la cousine ? Ouais, comme tu vois. Je l'ai laissé dormir, j'en ai profité pour visiter un peu le village. Hein. J'ai rien d'autre à faire. Tu veux aller boire un coup ? Ouais, tiens, pourquoi pas. Je suis juste à côté, là. Tu sais ? Ouais. De mettre un peu d'ambiance. 1, 2, 3, 4, 5. Dis donc les cirrosés là, vous pourriez pas terminer votre pinard là et arrêter de nous regarder comme ça? C'est un petit peu plus cool. Tu crois que je vais pas essayer? Toi qui pensais à moi. Qu'est-ce que t'as peur? Tu vas pas me faire croire que tu es pour eux de toute manière. Qu'est-ce que tu veux? Un jus d'orange. Sur madame, un jus d'orange et un verre de lait, s'il vous plaît. Tu viens en fait chez Anita demain? Je sais pas, Louise, elle m'en a parlé. Et Antoine? T'es parti à cause de ce que j'ai dit? Non. En fait, je crois que je suis jaloux. Ça m'en dingue des types comme toi. On dirait que tu fais tout avec facilité. Je sais pas, tout à l'heure, dans le café, quand t'as parlé aux gens. Moi, je pourrais jamais le faire, ça. J'ai rien fait. Bah, t'as vu, c'est tellement normal que tu fais même plus gaffe. Il y a toi le VTT, non? Ouais. Tu m'assures à toi? Ouais, bien sûr, vas-y. Change the world, silence is easier.
jumbo sailor. Further forth, further forth. It's a waste of time if you know. Pour venir de tuer, c'est pour raconter mon histoire avec les Roms, j'en ai marre. Je suis toujours tout ce qui me dérange. Ce matin, quand je suis allé en cours, j'étais sûr que ça allait être une journée de galère. Je m'étais cassé de chez moi la veille à cause d'une embrouille, et j'ai passé la nuit dehors. Tout ça pour te dire que j'avais pas envie de me prendre la tête avec le cours de maths. Or, qu'est-ce qu'une fonction, dans sa définition la plus stricte, sinon... Les nombres s'harmonisent peut-être moins bien que les mots, mais il va falloir vous y faire, Anthony. Oubliez ce narquois. Je suis ici pour faire de vous de bons produits. Et ce ne sont pas des individus de votre genre qui, par leur comportement, vont me dicter des règles d'éducation. Vous serez collé 2 heures ce mercredi. Bah, je m'en fous parce que je ne les ferai pas. Vous, votre but, c'est de nous bloquer. Moi, j'ai pas envie d'être bloqué, moi. Moi j'ai envie de faire plein de choses, et surtout pas des maths, parce que vous voyez, moi les maths, je m'en bats les couilles. Taisez-vous, je vous passe à la porte. Ouais, bah tant mieux, parce que c'était mon but. J'ai rien à foutre, moi, de vos problèmes. Bon, mes parents, ils voudraient que je sois ingénieur. Le problème, c'est que je préfère le showbiz. Bon, allez, hein, salut. De la Grand Tour à la barre, tous ces immeubles, y'en a marre, rien de bon ici. Et si tu l'as compris, écoute cette musique depuis Bellboy City. Le trap avec un mec, on a bien bavardé. Oui, tout ce qu'on voulait, c'est simplement oublier. Mais y'avait trop de lag, car elle était pour appliquer. Au bout des 5 minutes, la chasse a commencé. Un scout, monté sur ses rollers, a touché du bouton, ravi, calme un démon. On en a pu reparler soudain de l'ombre, un type a dû flanquer. 2-3 officiers, il était pour chasser. On ne sait pas trop comment il a fait pour en échapper. Vas-y, laisse tomber, c'est bon. De toute façon, ça pourrait être ta mère, qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en bats les couilles, moi. Non, vas-y. Ah, oh, reste tranquille, je t'ai dit de pas toucher mon pote. Oh, mais reste tranquille, là. Ok, man, reste cool avec ta putain de bouteille. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Pourquoi tu me balayes, là, connard? Qu'est-ce que tu prends ta bouteille? Tu veux que je t'allume ou quoi? Mais allez, casse-toi, putain, gros. Bonjour, madame. Bonjour. Ouais, je viens voir, on m'a parlé d'un film, c'est Le silence des agneaux. Oui, excellent film. Ouais, mais c'est pas trop prise de tête, quoi, je sais pas, il y a beaucoup de suspense. Non, non, absolument pas, bonjour. Bonjour, vous savez où se trouvent les cassettes en vente? Ah oui, à votre gauche, la vitrine. Oui. Je sais pas, il dure combien de temps ce film? Un peu plus de 2 heures, il me semble, si mes souvenirs sont exacts. Sinon, dans le même style, vous avez un excellent film. Le silence des agneaux, quoi. Il y en a qui disent qu'il est flippant, mais je sais pas, j'aime non, bien... Non, c'est un très très bon film. Beaucoup de suspense, bien joué. Non, très bien. Ah, t'as assuré, c'est cool. T'as réussi à prendre ce que je voulais? Ouais. Tu vois? Ah, génial. C'est le film préféré de Richard Fran. Ouais, elle va être content quand je vais lui offrir. Ah, oh, tu connais Rick? Genre, il est passé incognito au théâtre. Maintenant, on est amis. Tu es là pour Rebecca? Il m'a une victime en plus de moi. Oh putain, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu me reproches d'être normal? On m'invite à une fête, je m'amuse, on me drague, je reste charmant. La seule chose que tu pourrais me reprocher, c'est d'être unique. Vu que je suis un type rare, quoi. Écoute, t'as beau me jouer à la comédie, j'étais triste à en pleurer. Et j'ai pleuré. Ah non, je t'ai joué à la comédie. Mais j'ai foutu de toi comme une mauvaise réplique.
Du genre. Je sais pas. Bonjour. T'es où, chocolat? Je t'aime. Il y a plein de trucs. La dernière, c'est une déclaration? Perdu. C'était la deuxième. Pour moi, ça sera un chocolat. C'est un ordre. Il m'a jamais caressé la tête comme ça. Enfin, si, ma maîtresse, pour voir si j'avais des poux ou quoi. Lâche-moi. Être aimé normalement pour ce qu'on est ou ce qu'on ne sera jamais, sans tricher, je croyais ça impossible. Il faudrait qu'on reste des heures comme ça. Et qu'on continue longtemps de s'aimer, même si c'est en cachette. Que je m'attende. C'est pas grave, j'aurais trouvé de beau silence avec toi. À monter là, plus le temps de merde. Alors, quel vélo? Tu n'iras pas la matinée. Moi. Fais gaffe, Anthony, il tourne! T'as pu me dire avant qu'il y avait un précipice, connard. Je savais pas que t'allais me doubler. T'as voulu me tuer? T'es con. Allez, viens, bon. Bonjour. Bonjour, c'est toi? Je suis contente de te voir, Chloé, va pas bien. Elle me dit rien à moi, tu sais. Monte, elle est dans sa chambre. Tu sais, quand mon frère est mort, j'ai prié jusqu'à en devenir folle pour qu'il revienne. Et pourtant, j'avais jamais prié. C'est qu'à lui le jour, pour le voir dans mes rêves la nuit. Et puis petit à petit, j'ai appris à vivre avec mes souvenirs. C'est la ressemblance d'Anthony Fred qui t'a choqué? Pars tout de suite. On y part, je te dis. Attends. C'est tout à propos de toi, Anthony. Je ne veux pas savoir d'où il vient ni à quoi tu joues, c'est ta vie. Mais t'aurais pu penser à nous, parce qu'il nous fait tous souffrir. Quitte-le par ses parents et par respect pour Fred, au moins si c'est pas pour nous. De toute façon, rien ne sera plus comme avant. Je cherche plus à me revoir. Madame Robert, je vous appelle à propos d'Anthony. Il sera à l'Éden demain soir. Je peux pas vous expliquer. Oh, Anthony, tu te mal? Merde. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux qu'on arrête le rallye? Ah non, c'est pas ça, quoi. C'est que je m'étais promis de la montée d'une traite, quoi. En échange de quelque chose. Oh merde.
Ah, fais chier. En fait, je vais te demander quelque chose. Tu sais, ta cousine. Bah, tu sais, Jérôme, il m'a... Ouais, mais t'en as pas marre de parler des autres, là. Tu voudrais pas me parler un peu de toi, là. Ah. Merde. On arrête le rallye, tu rentres. Ouais. Tranquille. Héloïse, tu te dépêches? Non, mais vas-y sans moi. Je serais bien quelqu'un pour prendre l'autostop. La jambe, tu crois pas qu'on devrait l'attendre? Putain, c'est vraiment un bâtard ce mec. Hein. Bon, allez, viens, on y va. Tu devrais nous attendre à la voiture parce que s'il te voit, il va partir. Ça, j'ai toujours dit qu'on aurait des problèmes avec ce gosse. Allez, viens. Non, laisse la petite. Tu vois, ce film, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était ma vie. À un moment, t'as un adolescent qui se prend une balle en pleine tête, t'imagines? C'est pas la science-fiction. C'est vrai que du côté où j'habite, quoi, j'ai jamais vu quelqu'un mourir sous mes yeux. Moi aussi, il y a des trucs aussi graves, quoi. Pour ça, des fois, il m'arrive de parler tout seul. Ça m'évite de penser à tout ça. Et en plus, aux yeux des gens, je serais plutôt du côté de la racaille, quoi, tu vois. Mon pote, quoi. J'ai un pote qui est tombé en zonzon pour viol, quoi. Moi, j'étais dégoûté. Mais en fait, j'étais dégoûté parce que je pouvais pas lui en vouloir. C'est pour ça que je veux faire du cinéma, c'est pour sortir de tout ça. Il y en a qui disent comme quoi la vie, elle offre un cadeau à tout le monde. Et moi, vu qu'elle m'a jamais fait de cadeau, quoi, je prends pas trop la tête avec mes histoires. Non, non, ça va. Thank you.